Ce que fait là, Smart Girl Tech salut nous et nous bienvenue sur la plateforme Challenge Tech. Là, on a besoin d'appeler les formations sur le domaine informatique. Là. Alors, tuto aujourd'hui, là, il ne parle pas des ISO. Par exemple, parfois, nous avons besoin ISO pour nous fonctionner. C'est-à-dire que nous-mêmes informaticiens, parfois, nous avons besoin de moutons, machines, déployer une machine, obligé de gagner un ISO. Pour nous déployer machine qui soit Windows, Linux ou FreeBSD ou un pilote, nous besoin ISO. Donc pour ça, ça n'a pas fait nous-mêmes. Nous pouvons sur net là quand c'était des software, nous pouvons surfer. Map surfer Google comme n'a pas navigateur qui n'est pas soumis. Dans l'année sur Google là, peu importe. Nous arrivons sur Google, nous tapons Windows ISO Downloader. Ok, il y a plusieurs façons de faire un logiciel pour média création tout ce bas là, mais sauf que de temps en temps Microsoft a fait des modifications dans bio. En plus là, avec ça on est capable de télécharger ISO Windows 7, 8 et puis 10 XP ou l'autre site n'a pas viré sur site là. Bon, il y a un map de nos sites là et puis on a géré ça. Puis nous tapons nos logiciels ça, nous faisons entrer et puis là on va prendre ce site ça. Premier site là, qui c'est ça là. On prend les. Normalement il y a un site officiellement, mais pour aller plus vite, 01.net là, ou télécharger l'autre mouvement. Moi pour exemple, on a fait télécharger maintenant, ça c'est pas ça nous demande, nous voyons l'autre jouer. Bon, nous pas qui est pour ça, n'a pas fait OK. Mais c'est là, si nous faisons OK, nous pouvons partir pour un autre bagaille. Ok? Dans le cas, ça me conseille, nous close ça là. C'est comme ça pour nous télécharger tu outil ça. Tu outil ça. Si nous regardons, écoutez, les. Yeah. Hop. Nous voyons qu'il est en lancé là. On n'a pas besoin d'installer, bah, ça, ou son exécuteur qu'il y a. Là que nous finissons de télécharger, nous cliquer sur ouvrir la page comme ça. Là nous avons une version Windows 7 là, si nous voulons télécharger là, et Windows 7 août 2018 là, parce que Windows 7 finit vrai, mais il y a une machine qui fonctionne ensemble avec elle. Parce que là nous avons Windows 8.1, Windows 10, voilà. Si c'est Windows 8 là, on a regardé comment on a regardé ça sur l'autre site. Mais ça, on a capable de télécharger 8.1 qui c'est suite Windows 8 là. Tranquille. Ou Windows 10. Et puis là, c'est l'autre système d'exploitation. Donc, nous, on a dit. Maintenant, on a dit qu'on a téléchargé Windows 10 parce que c'est une version là. On couche ça là. Par exemple, on couche ça, nous, ouais. Là, on a l'autre page qui paraît là. Il dit nous sélectionner une édition. C'est-à-dire qu'on a sélectionné l'édition qu'on a besoin. Là, on fait cliquer. On clique là. On a toute édition ça. Yo. Ok, toute édition ça, nous sommes capables de télécharger Windows 10 là. Donc nous-mêmes, nous voilà, tout ça là. Moi, je prends deuxième là, parce que quand même, bon, là, nous sélectionnons une version là, et nous faisons confirmer. Là, qui nous fait confirmer, nous, et dit nous, version 1, c'est ça. Là, elle m'a dit pour nous faire un choix encore. Ça, c'est pays en quoi. Puis, elle m'a dit, c'est côté français, là. Nous t'aiguons l'autre côté, hein. Mais, nous allons dans la zone côté, nous voulons mettre, là. Ok? Depuis, zone n'a configuré là, bon. Pour Haïti, beaucoup elle là, mais là, quand même. Ok? Parce que là. Moi, côté français, bon. Je prends là. Et puis, me fait confirmer. Et puis, là, c'est architecture système, là. C'est-à-dire que si nous voulons que c'est 64 bits, n'a pas un premier. Si c'est un 32 bits, n'a pas un deuxième. Non. Bon, moi-même, bon, on va prendre 64 bits parce que ça, tout dépend des processeurs que vous allez utiliser. Si c'est un 32 bits, on va prendre ça. Si c'est un 64 bits, on va prendre ça. À partir du moment où on fait 64 bits, nous avons ça là qui est lancé. Ok? Ça, c'est ISO que nous te dit, nous devons télécharger, c'est nous devons télécharger là. Nous va faire ouvrir, puis nous va faire enregistrer. Hop,
À partir du moment, ils ont téléchargé. Et puis, maintenant qu'il bail là, nous, elle a stocké le téléchargement. Et puis, voilà, c'est une belle nous mettre le pneu pour les là, mais on a quitté ça comme ça, pas un problème. Là, on a tant que ils ont fini de télécharger. Il faut que arrive jusqu'au verre. Bon, moi, pas tant de distance avec nous. Après, ils ont ça, on a qu'à prendre font copier le mettre sous clé USB et puis rendre les bootables et puis installer l'autre machine ça c'est pour Windows 10 là hein. Bon si nous te dit n'a fait Windows 7 par exemple hop mon gars t'as gagné je sais pas besoin un bail juste vanille nouvelle barrette donc nous allumer Windows 7 là, c'est même temps. On va écouter mon petit logiciel là. Mais là, nous avons utilisé la banou ça. Comme si on exécutable qu'il y ait, nous cliquons sur lui deux fois. Nous allons lancer les temps par exemple. On a bloqué ça. Nous pouvons y aller là. Lorsque vous lancez le logiciel là comme ça, exécuter comme administrateur, vous grimpez le doigt. Ou en plus doit que là obligé à assumer. Oh. Et puis là, il a fermé ça. Normalement, l'offre téléchargée, c'est comme ça l'apparaît. Là, bah, nous pour Windows 10 là. Nous pouvons le checker pour Windows 7 là-bas. 1.8 par exemple. Nous sélectionnons 8 là. Et puis là, bah, nous sélectionnons édition. Ok, là nous avons 8.1, 8.1 Pro et Windows 8. Voilà, et puis tout ça c'est édition qui est capable de télécharger. Donc, c'est 8.1 à télécharger, juste cliquer sur ça là. Donc pour on a dit son version pour professionnel qui n'a pas téléchargé. Oh. Et puis il nous choisit un côté, donc on va coûter ça là, boum. Nous fait confirmer c'est même bagarre là. Si c'est 64 bits ou 32 bits, ça dépend de l'architecture système que vous utilisez. Hop, et puis voilà, vous faites enregistrer Windows 10 ou 8.1 à télécharger. Par contre, les mêmes m'a quitté parce que besoin ISO comme ça m'a aimé ça. Donc, je continue à montrer nous pour Windows. 7 là par contre, ok, les nous là, nous arrivons là, nous t'es là tout à l'heure. Nous simplement sélectionner Windows 7. Ok, là, nous sélectionnons édition. Si c'est ça, voilà. 20 versions Windows 7, tu l'auras pas téléchargé avec le logiciel, ça là. Ou à télécharger ça comme ça. Ou sélectionner, bon, qui lui c'est le qui nous apprend là. Version 7 ou basique SP1. Wow, on regarde moi, mon paquet mouvement. SP1 OEM, parce que attention, si nous téléchargeons OEM, vous nous télécharger. En solo de bail, nous télécharger. On télécharge OEM. Mais, on ne peut pas faire un setup là, ça m'appelle. On prend édition, voilà, professionnel, et puis, nous fait ça. Moi, nous choisir un côté, puis si c'est chinois ou si c'est, bon, moi, c'est Haïti là, Haïti par là. Hop! Et bien, ouais, moi, depuis tout à l'heure, on a fait ça, bon, on a fait ça. Hein. Et puis, nous fait confirmer. Aussitôt, nous fournissons. Oui, ouais, pour Windows 7 là, c'est un petit genre compliqué. Parce que Windows 7 pas la mode encore. Qu'est-ce qu'il y a pour le même mouvement là? Il faut confirmer et puis l'allemand est nous pour si français. Hein. Bon, peut-être parfois ce côté français a des difficultés. Parfois, on doit prendre en anglais là où elle passe. Parce que bon, c'est son autre système avec informatique là. Mais on a besoin de gérer ça quand même parce que nous avons besoin de gérer le mouvement ça aussi. Nous avons besoin du côté d'autres chassés sont allemands.
Même avec personnellement, on va le passer. On a pu avec un. En version, même pas d'aller le tour malouk. Anglais ou pas là, cette fois-ci. Ouais, anglais ou pas là. Donc, on y a anglais, on a checké. Puisque ou pas là, on a. Ouais, français ou pas là. Espagnol. Bon, on n'a pas espagnol là. Parce qu'en général. Oup. Alors, this device is currently in OK. Ça, Windows 7 là-bas, il y a un petit problème de temps en temps. Windows 7 là-bas, il y a un petit problème parce que c'est normal. Parce que Windows 7 pas la mode encore. Bon, là, nous sommes pour une version professionnelle. Là, c'est nous pour une version familiale. Là. Bon, ouais. Pour un côté français, hein. Confirmé. Même mouvement. Dolly Day. Pour nous aussi, qu'on veut, si c'est une histoire de version, ou bien il faut que nous redémarrions le logiciel là. C'est comme ça. Hein? Voilà. La version ça pas fonctionné tout. C'est une chique ou même non. Mais, pas oublier les qui téléchargent ou même non. Si on partit dans le logiciel là qui nous télécharge, on va faire télécharger tout ce type là complet. Hop, donc, ok, on a pas là OM là, on a pas OM professionnel là, pour nous. Hop, ok, donc, là, on croit que bon, Windows 10 l'a fonctionné. Windows 7 l'a fonctionné. Bon, si version Windows 7 intégrale n'a pas fonctionné, nous pourrons le garder pour Windows 7 août 2018 là. Nous faisons OS. Et puis nous cliquons sur Windows 7 août 2018. Il m'a demandé de sélectionner l'édition 1. Il nous dit que c'est un professionnel de 64 bits que nous voulons. Et puis il y a English US, parce que l'album est directement. Langue non, c'est la langue qui est là, nous va gagner plusieurs, nous faisons télécharger. Ok. On a pas écouté ça, n'a pas nous, Windows 7 là. Là, nous, ouais, ISO Windows 7 là, lancé. On fait ok. ISO Windows 7 là, téléchargé là. Naptan. Bon, nous, alors, sous connexion pas maintenant, c'est, on va faire, si nous gagnons, si nous allons plus vite, au fur et à mesure, la descente. Et n'a bien ISO pour nous fonctionner carrément sur moi trois versions Windows. Maintenant, l'autre ISO m'a fait le tutoriel pour montrer qui j'ai pour nous télécharger. Il y a Linux, il y a un paquet de l'autre. Smart Call Tech, salut nous. À bientôt pour le tutoriel la même façon parce que faut que vous expliquez le moment ça.